Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. Après les complexes Mokengeli, le service national vient de remettre 500 nouveaux bancs à l'université de Kinshasa. Sur un total de 2000 prévus, ces bancs semi-métalliques sont l'œuvre des anciens Kuluna transformés en bâtisseurs. Ce premier lot a été remis au recteur de cet alma mater. Les images à suivre au début de ce journal. À la une également, il n'y aura plus d'élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central le 7 juin prochain. La Cour constitutionnelle qui a siégé hier vient d'annuler la décision du Conseil d'État. Elle confirme par conséquent Grace Bilolo comme gouverneur élu de la province. Vous suivrez le président de cette Cour dans un instant. Et enfin, de la culture et du cinéma, un nouveau film totalement quinois présenté hier au public dans la commune de la Gombe. Freddy, c'est le nom de ce film. Cette œuvre cinématographique des 35 communistes tournée à Kinshasa et intégralement en Lingala relate l'histoire ou la vie privée de son auteur. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. L'administration de l'Assemblée nationale débordée. L'effectif des agents a gonflé ces derniers jours suite à des recrutements irréguliers. La paye des agents devient difficile et aussi s'est fait d'une manière impartiale. Des doléances soumises au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, par la délégation syndicale de l'administration publique de cette chambre du Parlement. En Imbalaka pour le détail. Conduite par Mme Mbalaï Mukamba Viki du syndicat UTAF, cette délégation est venue premièrement présenter ses civilités à l'honorable Vital Kamerhe et lui brosser l'état des lieux de l'administration de l'Assemblée nationale. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse, la présidente de la délégation intersyndicale Viki Mbalaï Mukamba a soulevé deux problèmes majeurs qui gangrènent les bons fonctionnements de l'administration. Il s'agit premièrement des recrutements irréguliers qui sont venus gonfler l'effectif sans tenir compte du cadre organique et de la procédure de recrutement établie par l'administration publique, chose qui occasionne des irrégularités dans l'acquisition des grades et les cumuls des fonctions. Le deuxième problème posé au speaker de la Chambre basse du Parlement concerne la disparité établie dans la rémunération des agents suite au recrutement irrégulier opéré et à l'absence d'une mise en place depuis belle lurette. Nous avons sollicité une audience auprès du président pour présenter des civilités parce qu'il vient d'être élu, le féliciter, lui faire savoir qu'il existe une délégation syndicale au sein de l'administration avec laquelle il peut échanger en cas de problème. Il est impérieux quand même que nous puissions brosser d'une manière succincte la situation de la maison avant qu'il ne rencontre les agents pour déjà anticiper avec certaines préoccupations. Vous savez, l'honorable Vital, c'est quelqu'un qui a de l'écoute. Il a été très attentif et il nous a promis de réagir très rapidement. Le président Vital Kamerhe a pris acte de toutes les revendications lui exposées. Il a remercié la délégation syndicale pour avoir éclairé sa lanterne avec ces informations importantes qui régressent les bons fonctionnements de l'administration, piliers sur lesquels reposent les succès des travaux parlementaires. Il a instruit son cabinet de travailler en commun accord avec l'intersyndicale pour analyser ses revendications et dégager des propositions. Je le dis en ouverture de ce journal, après les complexes scolaires Mokengeli, le service national vient de remettre 500 nouveaux bancs à l'université de Kinshasa sur un total de 2000 prévus. Ces bancs semi-métalliques sont l'œuvre des anciens Kuluna transformés en bâtisseurs. Ce premier lot a été remis au recteur de cet alma mater par le général Jean-Pierre Kasongo Kabwiki. Plus de précisions avec Cédric Enina et Tony Joma. Des gros véhicules alignés avec des bancs semi-métalliques prennent la direction de l'université de Kinshasa. L'image n'est pas si habituelle. Les cas d'espèce, c'est le fruit du travail des bâtisseurs au service national. Hier catégorisé parmi les bandits urbains, le plus féroce. Aujourd'hui, des ouvriers sortis du centre de formation et d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi de Kanyamakasese. 2000 bancs semi-métalliques au total réceptionnés avec enthousiasme par les recteurs de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, émerveillé par la transformation radicale de ce qu'on appelait Kuluna. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira, l'homme est totalement transformable. Voilà
la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons. L'Université de Kinshasa, celle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens. Pour ceux qui doutent encore de cette capacité transformatrice, les responsables numéro 1 du service national, le général-major Kasongo Kabwik, qui a fait sienne les instructions du chef de l'État, voient beaucoup plus grand. L'œuvre va s'étendre aux autres provinces. Je ne suis qu'un envoyé du chef de l'État et commandant suprême. Il est le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Je ne le représente, je ne fais que le représenter à cette cérémonie pour remettre le banc à l'Université de Kinshasa. La cérémonie de ce jour, comme nous l'avons dit, marque les débuts d'un vaste programme de dotation ou de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre, peut-être qui prendra une ou deux ans, jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Donc c'est toutes les universités publiques. La menuiserie, une filière importante sur l'échelle des valeurs sociales, bénéficie de deux ateliers modernes, notamment à Kanyamakassese et à Kinshasa dans la commune de Lancélé. L'ambassade de Suède en RDC a organisé sa toute première séance de développement session in Kinshasa. Parmi les orateurs du jour, le ministre de Médias et de Communication Patrick Muyaya, qui a parlé de l'implication de la femme dans l'espace médiatique, comme le dit Gaëtan Magalano dans son reportage. Le participant à cette rencontre organisée par l'ambassade de Suède à Kinshasa a relevé un certain défi dans la communication sur le question de développement et ont émis le vœu de voir la femme être plus impliquée dans la politique en RDC. En réaction, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement a apporté sa recette magique pour inverser la tendance tout en fustigeant certaines traditions. Ministre de l'écoute et de la parole, Patrick Muyaya a déclaré qu'en sa qualité de ministre de tutelle, il a le devoir de s'assurer que les femmes ont de l'espace dans le média. L'initiateur du changement de narratif poursuit son idée en citant le président de la République champion de la masculinité positive, le garant de la nation, renchéri Patrick Muyaya a déjà donné le ton avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Il y a évidemment un besoin pour nous de nous assurer comme ministère des tutelles que les médias donnent de l'espace pour parler des femmes. Il y a des médias qui sont animés par les femmes. Mais je me demande même, est-ce qu'elles-mêmes, ces femmes qui animent les médias, s'assurent qu'elles ont accordé de l'espace aux questions des femmes? Mais c'est une préoccupation globale sur laquelle, en tout cas dans le cadre de ces nouveaux quinquennats qui commencent, nous allons nous assurer que dans les efforts qui sont faits pour l'émergence de la femme, qu'elle puisse avoir de l'espace où les femmes peuvent s'exprimer, où les femmes peuvent montrer qu'elles peuvent être des modèles pour d'autres femmes. Présent à cette rencontre, l'initiatrice de Maputano a édifié l'assistant sur le rôle de la femme dans le secteur privé. Le responsable de l'inclusion financière à Equity, BCDC, a plutôt évoqué de stratégies à mettre en place pour l'autonomisation de la femme. À la requête de la directrice générale adjointe de Congo Airways sur la prise en charge de deux jeunes filles qui tiennent à poursuivre leurs études à l'étranger en aviation civile et une en astronomie, le ministre Patrick Muyaya a accepté de prendre en charge celle qui étudiera à l'astronomie. Il n'y aura plus d'une nouvelle élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Congo central. La Cour constitutionnelle qui a siégé hier vient d'annuler la décision du Conseil d'État. Elle confirme par conséquent Grâce Bilolo comme gouverneur élu de la province. On écoute le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta. Vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1 et 162 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2,
vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre, et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Une délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur de la RDC en Namibie et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC ont examiné avec le directeur général de l'Office de gestion et fret multimodal les projets de construction d'un port sec en Namibie. Les explications avec William Tounakov. La relance du projet de construction du port sec de l'Office de gestion du fret multimodal à Walvis Bay en Namibie était au centre des échanges fructueux que le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, a eu jeudi 30 mai 2024 à son bureau de travail à Kinshasa-Gombe avec une délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur de la RDC à Windhoek et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. Ils ont ensemble passé au peigne fin l'ensemble et les détails de ces projets contenus dans une documentation bien élaboré et bien préparé, dans laquelle figurent les modalités pratiques de l'exécution du dit projet. Visiblement très déterminé et toujours prêt à défendre les intérêts du chargeur congolais pour lesquels il a reçu mandat et à y veiller régulièrement, le manager William Kazumba Mayombo a eu tout le temps nécessaire pour s'imprégner des grandes lignes de ces projets à impact socio-économique réel et visible pour la RDC avant de faire son rapport à qui des droits dans les tout prochains jours, avant son exécution concrète par le démarrage effectif des travaux conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Namibie, deux pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et économiques, surtout concernant les échanges commerciaux des biens de consommation, notamment le poisson chinchard, communément appelé mpiodi et autres produits de consommation. Signalons que la Namibie, pays frère de la RDC, dispose de plusieurs postes d'entrée de marchandises, dont une bonne partie de ses frettes est destinée à la République démocratique du Congo et à ses pays voisins. C'est pourquoi il s'avère très urgent et impérieux que ces projets se réalisent dans un bref délai afin d'aider efficacement les opérateurs économiques congolais qui utilisent les différents corridors reliant la RDC. L'inspection générale des finances vient de mettre fin à ses missions d'encadrement dans des entreprises publiques. L'annonce a été faite par le chef de service Jules Alinguété au cours d'un échange avec le patron des établissements publics. Ces inspecteurs vont désormais s'installer dans des régies financières pour accroître la mobilisation de recettes. Suivant. L'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguété, et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, ont en collaboration convié ce jeudi 30 mai 2024 les mandataires publics, où l'IGF a eu à procéder aux missions d'encadrement depuis 2022. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la fin de mission d'encadrement de l'IGF dans les entreprises et établissements publics. Les gendarmes financiers ont saisi la balle au bond pour expliquer à ses hôtes l'impératif de mobilisation de recettes attendues par le gouvernement. C'est ce qui justifierait
le retrait des inspecteurs dans ces entreprises et établissements publics. Avec tous les mandataires publics où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leurs entités respectives pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays afin d'accompagner efficacement les nouveaux gouvernements qui viennent de sortir. L'inspecteur général de finances Jules Alinguetekei a dévancé mandataire, insisté que ces entités publiques qui connaissent aujourd'hui un redressement ne doivent plus sombrer. Mais plutôt, il les a invités à intérioriser la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'implémenter la bonne gouvernance. C'est en janvier 2025 que l'UGF reviendra dans ses établissements et entreprises publiques pour faire une évaluation. Deux jours de travaux pour réfléchir sur la situation de l'insécurité dans la région du Grand Lac. Les caucus des professeurs légats pour la paix et le développement organisent cet atelier afin de déceler le piste des solutions à soumettre aux parties prenantes dans le processus de paix dans la région. Yvette Makuntima pour plus de précisions. Deux jours des travaux, les symposiums scientifiques sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs africains voient par la participation des acteurs nationaux et internationaux des luttes pour la paix. La guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, mais aussi la situation précaire dans la région sont autant des raisons qui justifient et expliquent les efforts constats du caucus des professeurs légats pour la paix et les développements impliqués dans la recherche des solutions. Les cadres universitaires maintenant, la communauté savante a pris l'option de pouvoir s'engager pour donner des recettes importantes aux différentes parties prenantes dans le processus de paix de la région, afin que la paix soit réellement rétablie dans la région des Grands Lacs africains. Par leur seule présence à l'ouverture des travaux, les participants ont confirmé l'intérêt de cette rencontre pour la quête de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est très très important de tenir ce genre de fora où nous partageons les informations entre Congolais pour que nous puissions comprendre tous les enjeux qui impliquent notre République aujourd'hui et qui font en sorte que nous puissions comprendre sur du point de vue sécuritaire les enjeux dans notre République et qui peuvent informer l'opinion. Ces symposiums est censé contribuer au renforcement des processus de paix et de l'état de droit dans différents pays, notamment en RDC. Ouverture hier de journées scientifiques et des portes ouvertes à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi. C'est le recteur de cette université qui a donné les go de ses travaux, qui se clôturent d'ailleurs aujourd'hui. Regardons. La faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi a ouvert ce vendredi 31 mai 2024 des journées scientifiques et l'exposition dans la salle Monseigneur Tshibangu Tshishiku. Sécurité et souveraineté alimentaire en République démocratique du Congo, défis et perspectives est le thème autour duquel ont tourné les échanges. Ces journées scientifiques visent à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de la production agropastorale et halieutique en RDC. Illustration faites, des stands érigés et des diverses productions exposées dans celles des étudiants. Lors de l'ouverture, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba, a de prime abord salué la nomination de la ministre de l'enseignement supérieur universitaire par le chef de l'État, puis a exprimé le souhait de voir les résolutions qui en découleront être rendues publiques. Je salue ici d'arrêtement à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de son excellence, la professeure Marie-Thérèse Sombo. C'est ce que nous faisons à travers la présence de chacun d'entre nous ici, chacun des participants est porté à participer vivement dans les apports présentés en vue de concourir au
De la faculté des sciences agronomiques, le professeur Milongo Ishucha a pour sa part relevé l'importance particulière de ces assises dans le contexte présent. Ces journées scientifiques se clôturent samedi 1er juin 2024. Le présidium de l'Union sacrée de la nation était en réunion de concertation. Augustin Kabuya, Modeste Bahati, Vital Kamere, Christophe Fumbosso et Jean-Michel Samaloukoundé ont discuté sur les enjeux politiques dès lors. Ils ont aussi préparé une grande réunion avec tous les chefs des regroupements politiques de cette plateforme. Le compte-rendu de cette réunion avec Alain Bikaï. 24 heures après la publication du gouvernement Judith Suminwa, les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabuya, a échangé tour à tour avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation sur les enjeux politiques de l'heure. Le premier ministre sortant Samaloukoundé et chef du cartel agissant et bâtissant étaient les premiers à être reçus par le sénateur Augustin Kabuya. L'honorable Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, a été aussi consulté par le secrétaire général de l'UDPS. Ensuite, Augustin Kabuya s'est entretenu avec le professeur Bahati Lukwebo, président du regroupement politique AFDCA. Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, n'a pas manqué aussi à ses rendez-vous. Selon certaines indiscrétions, au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés pour préparer la réunion avec les chefs de regroupement politique de ce vendredi 30 mai. La question de l'installation du bureau de la Chambre haute du Parlement et l'investiture du gouvernement Judith Suminwa seraient aussi abordées. La discipline et loyauté à l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation étaient aussi au centre de ces échanges. Après plusieurs mois de silence, Omer Egwaké, avec sa traditionnelle danse de retour sur le terrain, ses membres du regroupement politique AAP a réarmé sa base de Kalamu. Il a appelé ses militantes et militants à accompagner les actions du chef de l'État visant le retour de la paix dans l'est de l'RDC, comme nous dit Marie-Louise Mbella. Soutenir les actions du chef de l'État reste le leitmotiv de cette campagne de réarmement moral initiée et animée par cet acteur politique, Egwaké Yangembe Omer, membre de l'ABC du professeur Michel Bongongo. À cette occasion, il a relayé le message du président de la République axé sur la cohésion nationale. Egwaké Omer Yangembe a appelé sa base de Yolo à s'unir comme seul homme derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'accompagner en vue de gagner le pari de son deuxième quinquennat. La dernière fois, nous étions à Matete. Ce que vous venez de vivre aujourd'hui, c'est juste la suite de la tournée, des réarmements moraux et des soutiens, des sensibilisations, de mobilisation de notre peuple à comprendre que nous avons un seul chef de l'État, élu au suffrage universel par le même peuple. Ce chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshilombo Fatshi, que tous les Congolais, en cette période, doivent s'aligner derrière lui. Aujourd'hui, on nous a imposé la guerre. Pendant que Félix Antoine Tshisekedi est chef de l'État, la guerre nous a imposé par des pays voisins qui ne sont ici que pour nuire à la vie paisible du peuple congolais, pas au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons la possibilité de mettre fin à cette guerre. Le remède, c'est l'unité nationale. Il ne faut pas seulement soutenir le président Tshisekedi parce qu'il faut être au gouvernement. Je l'avais souligné, il faut le faire. Nous l'avons fait avant, il faut le faire pendant et après les élections. Membre au sein du méga regroupement politique AAAP, Omer Egwaké Yangembe a expliqué largement le leadership du haut représentant du chef de l'État, Tony Kakushiku. Ce chronotable de l'Équateur a en outre conscientisé sa base à la vigilance et a dénoncé tout acte antipatriotique
susceptibles de saper ou de déstabiliser les institutions de la République. Il a également rappelé à l'assistance que les différents déplacements à l'étranger qu'effectuent les chefs de l'État sont faits pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le développement de la RDC, surtout en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Les partis politiques Congo Espoir du ministre sortant José Mpanda restent et demeurent membres de l'Union sacrée, décision prise au cours d'une réunion tenue hier à Kinshasa par les militantes et militants. Marie Kalonk pour le reportage. C'est au siège du parti sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu que les cadres de Congo Espoir se sont réunis ce vendredi 31 mai pour faire leur déclaration politique. Ils ont remercié le président de la République pour la confiance placée en maître José Mpanda Kabangou pendant son premier quinquennat. John Mwayabi Mungal est le secrétaire général adjoint de Congo Espoir en charge de la communication. Réaffirmant notre appartenance à l'Union sacrée de la nation, derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo, dont nous soutenons sans intermédiaire des actions pour le devenir meilleur de notre peuple. Assurant notre total soutien au gouvernement de la République, dirigé par Son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement. Relevons cependant avec regret l'absence de notre parti politique du gouvernement, pourtant la première force politique au sein du regroupement A24 et de la plateforme en termes d'élus nationaux. Formulons le vœu de voir corriger cette situation pour assurer la paix et la concorde au sein de l'Union sacrée, notre famille politique, comme le veut la haute autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti Congo Espoir appelle tous ses cadres et militants au calme et les exhorte à éviter des déclarations et à se référer à la hiérarchie pour toute prise de parole dans les médias. Les travaux en atelier du deuxième sommet national des aînés d'Afrique et de la diaspora se sont poursuivis hier vendredi à Kinshasa. Les intervenants ont plaidé pour l'amélioration des conditions de vie de personnes âgées du continent. Marie Chimel Kamoka pour les explications. Après le vernissage de l'exposition sur les tissages, il a été prévu dans le programme du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora, SIAD 2024, des discussions en atelier autour des thématiques liées à la situation des aînés dans le continent africain, parmi lesquelles vieillir en bonne santé et mourir en dignité, une urgence sociétale, le rôle et la place des aînés et relations intergénérationnelles, l'agriculture et la place des aînés dans l'économie. Qu'on a l'habitude de jeter, de faire ou on jette, arrêter quand on les remet dans la terre et ça doit repousser. Je dirais déjà c'est que nous les aînés, nous avons le devoir de montrer à nos enfants. À partir de certains sommets qu'on a fait par-ci par-là pour réfléchir sur ces thèmes, on a mis un système pour que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui ne travaillent pas, qui puissent quand même avoir une retraite. Dans d'autres pays, ce qu'on a fait c'est quoi? C'est que les soins médicaux donnés aux personnes de troisième âge, plus de 60 ans, sont gratuits. Ici chez nous, ce n'est pas encore en application. Il a été question également de réfléchir sur la problématique des aînés en situation de conflit. Il était question d'avoir un regard sur la partager avec donc les autres la situation des personnes âgées dans le cas de conflit au Burkina Faso. Des interventions au cours de cette rencontre internationale à caractère présentiel ou en visioconférence sont allées dans le sens d'un plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions socio-économico-sanitaires des personnes de troisième âge. Signalons par ailleurs que ce sommet international est organisé par le réseau international francophone des aînés, RIFA, section RDC. De la culture et du cinéma, un nouveau film totalement quinois présenté hier au public dans la commune de Lagombé. Freddy, c'est le nom de ce film. Cette œuvre cinématographique des 35 minutes tournée à Kinshasa et intégralement en Lingala relate l'histoire ou la vie privée de son auteur. Tete Bungunja a assisté à la projection en avant-première de ce film. C'est l'avant-première diffusion du film Freddy. Freddy qui est un sculpteur congolais et acteur principal du film. Un documentaire qui part du quotidien de Freddy Ntsimba, une nette démarcation entre sa vie privée, ses inspirations et son univers artistique. Cette inspiration va permettre de lever l'équivoque sur les difficultés artistiques qu'éprouvent de nombreux artistes sculpteurs congolais. Il y a de ces rêves qui se réalisent que quand on se prive du sommeil. Donc soyons persévérants, motivés et
travaille sur ce que tu as dans la tête et tu auras la finalité. Intitulé en lingala, Freddy Ndimela Oyo Okanikosala, croire en tes rêves en français. Ce chef-d'œuvre fait la joie et l'honneur de l'artiste. Donc pour moi, c'est un honneur d'être là et de voir que ce film a été réalisé 4 années de travail. Et le résultat pour moi est énorme. Et je suis sûr que montrer ce film, même aux jeunes enfants de 3, 4, 5 ans, ils sont fiers d'écouter. Parce qu'on n'oublie pas, tous nos enfants n'ont pas le français. Je suis fier vraiment de voir ce qu'ils ont fait comme travail. Et je suis même ébloui parce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi réussi comme ça. Après cette phase d'avant-première, ce court-métrage de 35 minutes, entièrement en lingala, sous-titré en français, produit par Rena Tewembo, sera présenté dans les festivals internationaux avant d'être proposé au grand public. Ce numéro 100% congolais fait la fierté du 7e art qui est le cinéma. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Maxime Androkouar, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dimone Kene, Anno Mouti, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Mbella. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.